Alors, fabrication de la guerre civile, c'est un projet en deux volets. Et ce second volet se déroule dans la cité des pigeonniers, qui est une cité fictive, une cité HLM, qui comprend une dizaine de bâtiments, 1200 habitants y vivent. Et dans le livre, on va suivre une petite centaine d'habitants, de ces habitants, à travers différents récits qui s'entrelacent, qui s'entrecroisent, sur une durée d'à peu près un an, durée qui commence au moment où ces habitants reçoivent les premières lettres de relogement, puisque la cité va être rasée, et donc tous les habitants vont être relogés, plus ou moins proches de cette cité initiale, jusqu'à la destruction des premiers bâtiments. Voilà. Donc sur une période d'un an, et avec la destruction des premiers bâtiments, avec les réactions, avec tout un ensemble d'histoires, certaines directement liées à la rénovation, d'autres liées à la vie des habitants, puisque un projet de rénovation, c'est quelque chose qui vient impacter la vie, le quotidien, et donc des histoires d'amitié, d'amour, de recherche de travail, de ne pas avoir de travail, des gens qui inventent des business à l'endroit où ils n'ont pas de business, des business légaux, des business pas légaux. Voilà, donc il y a comme ça un magma d'histoires, de récits, d'aventures et d'individus et de personnalités. Il y a beaucoup de fortes personnalités dans le livre. Voilà, le livre va aller doucement vers quelque chose qui a à voir avec la guerre civile. Voilà. Et cette année que le lecteur est invité à venir passer au milieu de ces imaginaires, de cette culture, de ces modes de vie, de ces mentalités, de ces histoires, de ces façons de percevoir le monde, de cette langue, beaucoup, façon de parler, de penser l'univers, construit peu à peu quelque chose qui doit immanquablement exploser, quelque chose qui aurait pu exploser dès le départ du livre et qui explose à la fin. Et l'idée du livre, c'est pas de faire une prophétie sur ce qui va se passer dans les cités dans les années qui viennent, ni d'être dans une position un peu surplombante d'analyse, mais c'est vraiment d'essayer de comprendre comment tout ce qui se passe, qui peut nous sembler très très étrange quand on en voit quelques images dans un journal télévisé, d'essayer d'être passé au cœur de ça. Voilà, la métaphore du jeu vidéo vient souvent dans le livre. Il y a cette idée de placer le lecteur comme un personnage de jeu vidéo au milieu de tout ce qui se passe, au milieu de cette espèce de monde enrichi. Nous vivons tous dans des mondes augmentés. Nous augmentons le monde en permanence avec nos amours, avec nos idées, nos pensées, nos rêves. Voilà, et donc les habitants des cités augmentent le monde, eux aussi. Et l'idée, c'est de placer le lecteur au milieu de ça pour que tout ce qui se passe devienne extrêmend intelligible, extrêmement compréhensible. Cette chose qu'on pouvait regarder de loin en disant, mais comme c'est étrange, comme c'est loin de nous, en fait, que ça devienne extrêmement familier. Je crois que c'est un des grands enjeux pour le roman, d'une manière générale, pour la littérature, d'essayer de nous frotter comme lecteur à ce qui est. Et de le faire, non pas dans le cadre de Fabrication de la guerre civile, non pas sous la forme d'un livre documentaire, mais finalement de réinventer le monde. Voilà, puisque c'est en tout cas comme ça que j'aborde la littérature, l'idée que pour comprendre le réel, il faut aller se placer à un autre endroit. Parce que le réel, on est déjà dans le réel, on est déjà pris dedans, on est déjà bombardé d'un nombre d'informations considérables. Donc on a besoin de trouver un mouvement d'écart, on a besoin d'aller se placer un tout petit peu à côté, sur une page blanche, la page vide, qui est celle qui se propose à l'écrivain, sur lequel lui va créer une expérience de vie, une expérience de monde, une expérience de personnage, une expérience de psychologie, une expérience de langue. Et à cet endroit-là, il va être possible de regarder autrement le monde, en n'étant pas aussi bombardé. Voilà, c'est un peu ça les enjeux. La dernière chose qui est importante sur Fabrication de la guerre civile, c'est un enjeu stylistique. On parle de littérature, donc un enjeu de style évident, qui est comment je peux, comme écrivain, emmener tout ce que j'aime de grande littérature, de littérature classique. J'ai été formé par la grande littérature russe du 19e. Donc, comment je peux emmener ça, ce souffle, cette complexité de construction, l'attention, qui est un des éléments clés de la littérature russe 19e. On condamne pas la créature, on juge pas la créature, on l'écoute. On se tait, on est au plus proche et on regarde. Voilà, donc comment je peux embarquer tout ça? Embarquer tout ce que j'aime, moi, de littérature expérimentale, très contemporaine, donc d'une littérature qui éclate les formes, qui invente énormément, qui multiplie les registres, qui est capable de mélanger un catalogue de la publicité, des graffitis vus dans le métro, et puis de mixer tout ça de manière extrêmement rapide.
Voilà, donc ces deux éléments, culture populaire, enfin, pardon, littérature classique et littérature expérimentale, et la culture populaire, la culture urbaine, la culture des cités, qui est une culture propre, extrêmement inventive en termes de langue, qui a un usage de la langue extrêmement vif dans les accents, dans l'invention de vocabulaire, dans la déconstruction, là aussi, dans la déformation du langage, pour en faire... Il y a une chose qui je crois, est très frappante et qui est très présente dans le livre, c'est que la langue dans les cités est un champ de bataille. C'est le lieu où on peut apparaître et c'est le lieu où on peut remporter les combats. Là où, si on a... Beaucoup d'habitants dans les cités n'ont pas un capital considérable, donc ils ne peuvent pas mener des guerres sur les plans économiques, sur le plan de la propriété, sur le plan des apparences classiques et mondaines. Donc il faut refonder. Et c'est, la langue, ça sert à ça. Ça sert à, c'est un vieux truc de Sun Tzu. C'est l'art de la guerre. C'est, si tu ne peux pas battre l'ennemi sur son terrain, emmène-le sur le tien. Et la langue, ça sert à emmener des ennemis sur son propre terrain. Et là, à les prendre dans une toute autre machine. Et à les baffer. Voilà. Et donc l'idée de fabrication de la guerre civile, c'est le point de départ, c'est d'essayer d'inventer un style qui soit capable d'attraper tout ça, de passer à tous ces endroits-là, de mixer, d'inventer un état de la langue française qui soit pas du vernis, qui soit pas une apparence. Je crois beaucoup, la langue, ça pense. Donc ce qu'il faut inventer, c'est le moment où il y a un état de la langue française qui est capable de faire émerger cet univers-là, de le rendre cohérent, tout en ayant tout inventé. Puisque finalement, il y a énormément de langues orales, il y a énormément... Et c'est pas du tout, ça correspond pas du tout à la langue de la rue, on n'est pas du tout dans un copier-coller d'une langue, c'est pas du tout du verbatim, c'est pas... La langue que parlent les personnages est une langue, enfin en tout cas un état de la langue qui est inventé, qui n'est pas exactement celui qu'on entend dans la rue. Mais c'est un état où moi, en tant qu'auteur, j'essaye d'écouter tout ce qui me semble puissant, tout ce qui me semble beau, tout ce qui me semble électrique, tout ce qui me semble fort, significatif, dans ce qui est parlé autour de moi dans les cités, et me dire ça, tout ce qui crépite là, comment je peux le saisir, le plonger dans mon maelstrom, et à partir de là, il y a un bel état de la langue qui va sortir. Langue urbaine, mais bel état de la langue, et qui sera en plus capable donc d'embarquer mes Russes et la littérature expérimentale. Je crois que la littérature, c'est l'art du prisonnier, fondamentalement. C'est l'art de celui qui n'a aucun moyen, à un moment, qui n'a que sa voix. La littérature peut bien vous sauver quand vous êtes dans cette situation-là, quand vous n'avez rien du tout. Parce que la littérature n'a même pas besoin d'un papier et d'un crayon. Il y a besoin de la voix qui parle intérieurement. Voilà. Et du coup, ça demanderait des longs développements. Mais je crois que je ne pouvais pas faire autre chose que de la littérature. Je crois que fondamentalement, il y a là quelque chose. Il y avait là subitement une. Il y a un truc de lumière qui s'est ouvert à un moment, en me disant il y a une seule porte de sortie et elle est là. Et si tu la rates, t'es mort. Ça valait le coup de pas rater.